Comme cadeau pour mes 100 ans, je voudrais au pied d'une fleur la main d'un tout dernier amant qui viendrait me tendre son cœur. Comme cadeau de fin de vie, je voudrais quelqu'un de patient qui me raconterait ce que j'oublie et qui me le raconterait souvent. Et je voudrais une promenade, une petite marche dans un jardin pour oublier d'être malade et pour respirer le jasmin. Comme cadeau pour mes 100 ans, je voudrais au pied de mon lit un beau chapelet de petits enfants et leurs parents encore en vie, et des collections d'histoires drôles pour que de rire encore j'éclate, jusqu'à ce que sautent mes épaules, jusqu'à ce que grincent mes omoplates. Je voudrais qu'un enfant s'accoude à mon chevet le temps d'un poème, et qu'il réveille mon oreille sourde avec juste assez de « je t'aime ». J'aurais envie d'un coloriage accroché au mur de ma vie et d'un soupçon de maquillage pour égayer mon regard gris. Pour célébrer mon existence, j'aimerais recevoir un vaccin, quelque chose contre la démence, un petit miracle de rien. Ne m'apportez pas de montagnes d'objets qui ne me serviront pas, mais j'aimerais bien un peu de champagne et une boîte de chocolat. Je voudrais au pied de mon âme une promesse d'au-delà, et que personne ne me réclame si par hasard c'est ce jour-là que par mégarde je me perds au fond du ciel comme en forêt pour mon 100e anniversaire. Allez, voilà ce que j'aimerais, c'est que personne ne s'acharne si par hasard je ne souffre plus, que mon souffle s'avoue vaincu devant mon gâteau plein de flammes, si c'est ce jour-là que veut se taire le pouls que j'ai sur les poignets. Je vous en prie, laissez-le faire, c'est le plus doux de tous mes souhaits.